que je vais décorer dans un instant n'a pas encore atteint cette taille gigantesque, mais tous les espoirs lui sont permis, puisqu'il est audacieux, parce que sa société, Advansolar Mobility, figure déjà tous les atouts d'une croissance portée par le développement durable. Et quel plus beau symbole que ce rassemblement, quel meilleur moment que cette soirée de Nice Startup pour rendre hommage, cher Raphaël Brière, l'exemple vivant que notre terre peut se porter mieux. Oui, cher Raphaël, votre parcours nous raconte l'histoire de ce 21e siècle naissant et dessine les lignes du futur. Il y aura en vous un stratège qui anticipe, un technicien guidé par une intuition que certains appellent le génie des circonstances. Dans la bataille économique mondiale en train de se livrer, la France compte sur vous et sur tous ceux de votre trempe. Vos talents d'entrepreneurs sont indissociables de votre conscience citoyenne et au-delà de votre conscience planétaire. Et puisqu'en fin de compte, c'est bien de la sauvegarde de la planète qui se joue, là, dans cette bataille pour une croissance durable et une transition énergétique sans bras, eh bien c'est grâce à de telles initiatives que notre monde sera meilleur de nous. Merci de nous aider à développer ce territoire et merci d'accompagner l'ambition qui fait que demain, cette ville qui est debout malgré ce qui est arrivé le 14 juillet se développera économiquement et sera un territoire de référence grâce à vous. Raphaël Brière, au nom du président de la République, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national du mérite. L'audace, la vision, la prise de risque, la coopération, l'humilité, le regroupement des forces, l'intelligence collective et le travail coopératif et participatif, dans le but d'accomplir un intérêt plus grand que nous, la construction et l'avancée de notre monde, le bien commun. C'est finalement cet esprit d'entreprendre qui nous réunit ce soir, et je souhaite que nous partagions ensemble cet honneur qui m'est fait. Car dans cette perspective, tous ensemble, nous sommes méritants.